In this video we will see together l'imparfait de l'indicatif but more precisely when we use l'imparfait de l'indicatif in a polite form. So l'imparfait de l'indicatif normally is used to talk about the past but it is also possible in some cases to use it uh, for in a polite form. So let's have few examples. je voulais vous demander si c'était possible je voulais vous demander si c'était possible so in that case by using this imparfait it will make it more polite than if it was in the present tense if you say je veux vous demander si c'est possible it's much more Direct, than if you say Je voulais vous demander si c'était possible. So, voulez, in that situation, it's the verb vouloir. So, je voulais, and then here it's être, and it's the third person of the singular c'était. Je voulais vous demander si c'était possible. Excusez-moi. Je ne savais pas que vous étiez occupé. Excusez-moi. Je ne savais pas que vous étiez occupé. Same thing here. It will, by using the imparfait, it will make it more polite than if it was in the present tense. So this is the verb savoir. Je ne savais pas. Et then it's the verb être here. Vous étiez. Excusez-moi, je ne savais pas que vous étiez occupé. Je voulais vous demander si c'était possible. Excusez-moi, je ne savais pas que vous étiez occupé. Pardon, c'était juste une blague. Pardon, c'était juste une blague. Same thing here. Hein? It's really, really uh, clear that by using it, it's really nicer. C'était, so it's the verb être, third person of the singular. C'était. C'était juste une blague. Excusez-la. Elle ne voulait pas dire cela. Excusez-la. Elle ne voulait pas dire cela. The verb is vouloir in that situation and it is in the imparfait form, third person of the singular. Elle ne voulait pas dire cela. Excusez-la, elle ne voulait pas dire cela. Pardon, c'était juste une blague. Excusez-la, elle ne voulait pas dire cela. So keep in mind that this imparfait de l'indicatif, in fact, will be used in some cases in a polite form.